Les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliquent aux animaux qui ne sont pas malades, ceux qui ont les oreilles saines. Si votre animal semble avoir mal quand vous touchez ses oreilles, ou si vous remarquez une odeur nauséabonde, consultez le véto avant d'utiliser vous-même un produit, il se peut que ce soit une infection ou une otite. Le conduit auditif du chien est en forme de L. En utilisant un coton-tige, vous ne risquez donc pas de blesser le tympan, mais vous allez repousser toutes les impuretés dans le fond du conduit, ce qui risque de former un bouchon. Vous pouvez donc utiliser le coton-tige aussi souvent que nécessaire, mais uniquement sur la partie externe, comme je le fais ici avec l'Enox. Pour ce qui est du nettoyage en profondeur, une fois par semaine suffit amplement. Vous trouverez des produits adaptés en animalerie ou chez votre vétérinaire. Pour l'Enox et Bentley, j'utilise l'AutoClean que j'achète chez mon véto. Ce sont des petites pipettes à unidose, donc c'est vraiment très pratique et on peut l'utiliser aussi bien pour le chien que pour le chat. Quel que soit le produit utilisé, lisez toujours la notice pour les quantités et la fréquence d'utilisation. Commencez par tendre l'oreille de votre chien pour bien dégager le conduit auditif. Versez la solution auriculaire et massez bien la base de l'oreille. Le produit va se répandre dans tout le conduit et décoller les impuretés. Ensuite, reculez et laissez votre chien se secouer. Il est préférable de faire ça dehors si le temps le permet. En se secouant, il va se débarrasser d'une bonne partie du produit et des crasses. Terminez par bien essuyer le pavillon et l'entrée du conduit auditif avec un démake-up. N'oubliez pas de récompenser votre animal pour qu'il ne garde pas un mauvais souvenir. Pour les chats, c'est exactement la même chose. On place le produit à l'intérieur de l'oreille, on masse bien, on le laisse se secouer et on essuie le trop-plein de produit. Comme vous pouvez le voir, l'Enox est très heureux d'avoir pu participer à cette vidéo. Il a maintenant les oreilles toutes propres.